Yo les gens, ma formation synthèse et design sonore est à moins 50% du 29 janvier au 4 février. Toute cette semaine-là, moins 50% sur la formation. On va partir, je sais pas, dans Noise, direct, et puis on va se faire un pattern. On va se mettre en grid 4, et puis on va faire du ramp down, ramp down. On va faire un truc comme ça. Mon LFO1, je le mets sur level. Alors, il y a plusieurs manières de procéder. Ici, en fait, dans l'idée, j'aimerais faire un truc un peu aléatoire. C'est-à-dire qu'est-ce qui ne soit pas tout le temps le même, qui varie tout seul, qui bouge tout seul. On va se mettre en mode enveloppe, comme hack. En fait, on va en faire comme si c'était une seule note, hein, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et puis, on va plutôt se mettre donc en mode trig et on va mettre ça sur un 16e, double croche. Pour rendre le truc un peu aléatoire, ce qu'on peut faire déjà, c'est randomiser ça. Donc on va se faire modulate. En termes de volume, on va pas trop moduler, on va rester plutôt fixe. Je vais plutôt me mettre un autre LFO, je mettrai LFO 2. Comme ça, ici, je peux faire des steps en fait, simplement. Je peux faire des flats, je peux faire des steps. Je fais un peu random pour l'instant. Je sais pas, il n'y a rien de calculé vraiment. Ok, et puis ça, maintenant, il faut l'expandre. Alors, pour ça, il faut venir là. Alors, on va essayer de faire sonner ça déjà un peu plus de manière intéressante. Random ici, vous pouvez en mettre, ça va randomiser le starting point du sample, parce que ça, c'est du sample. Et du coup, ça fait quelque chose qui est tout le temps légèrement différent aussi, ça. On va essayer de triper avec un filtre, plus dans le délire disto, peut-être sample and all, on va voir, ou un disto comble, un truc comme ça. Ok, après ce qu'on peut faire, c'est d'autres LFO qui sont qui peuvent partir un peu random comme ça ou pas, et router ça par exemple là. Après, on peut randomiser ça aussi. Hein. Ça, on pourrait très bien faire un autre bus et on va le mettre sur un, disons, note on random. Donc, à chaque note, ça va donner une valeur aléatoire. Par contre, il faut qu'on reste plus bas. Hein. Alors, on veut vraiment pas que ça le fasse trop. On veut une toute petite plage. Alors, on va triper, j'ai envie de foutre un truc dessus, vinyle. Après le vinyle, je veux mettre un petit biome. On va essayer de faire un truc de nouveau qui bouge un peu seul tout. Biome, c'est une sorte d'effet modulaire, hein, avec lequel on peut faire plein de trucs. Et on a plein d'FX en fait intégrés.
comme je vous disais, hein, on expérimente, on teste des trucs, on regarde où ça mène. On va juste jouer un peu avec une sorte de reverb.